Salut les amis, c'est Tsuzaku Darius Phoenix et on se retrouve pour ce 90e épisode de Tales of Berseria. Quand même, 90, hein. Et je vous avais pas menti, hein, comme quoi, pour le let's play des Tales of que je fais en général, il y a au moins 90 épisodes, hein. Enfin, jusqu'à la fin du jeu, à peu près. Et donc on s'était arrêté ici, après avoir bataillé pour monter jusqu'à ce nouvel obstacle, qui est l'anneau divin, jusqu'à ce deuxième niveau du donjon optionnel, du donjon final, où Innomina Territorius nous attend, et vu que c'est blindé de monstres, les combats sont de plus en plus difficiles, on va dire, plus ou moins. Enfin, de plus en plus difficiles, ça dépend des mobs. Voilà. Mais bon, on s'est plus ou moins démerdé à l'épisode précédent, hein, du mieux qu'on pouvait. Où est-ce que ça nous emmène, ça? Je suis toujours au même niveau, ok. Avec le saut d'Innominate. Donc plus on monte, on est encore loin en fait, hein. Ah. On va rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Ok. Ah. Quelque chose qui va peut-être nous servir. L'ombre de l'aube. Alors, où est-ce qu'il va nous emmener ce truc? Ça fait vraiment très Grace en fait. Je suis aussi dans Grace, que soit Grace ou Zestiria, il y avait quand même des mobs qui nous attendaient. Enfin, il y avait quand même des lieux où il y avait des mobs qui étaient optionnels pour la fin du jeu, mais on pouvait quand même affronter, qui étaient très très utiles pour le bestiaire et autant. Bon ben, c'est parti. Qu'est-ce que tu es, toi? Vaisseau hors la loi. 78. Ok, si c'est pour commencer comme ça, non merci. Pourquoi ces dégâts que je mets, c'est tellement ridicule. What? Attendez. Je crois qu'on s'est mis un peu dans la merde. J'ai pas un truc anti-curacé là. What? Oula, je sens que le combat va être très très compliqué. Bon, mon équipement c'est vraiment de la merde. Ah bah j'avais pas vu celui-là. What? Pourquoi je fais du zéro de dégâts? Okay,
vais récupérer ça. Donc, excuse si vous entendez quand même des bruits extérieurs. Pourquoi je fais... J'ai 0 de dégâts. Ah, pourquoi je fais du 0 de dégâts, moi? Ouais, je suis obligé de passer comme ça. Je vais maîtriser. Non mais t'es sérieux. punaise, ça va être compliqué. En gros, c'est même pas moi qui fais le combat, quoi. C'est Magilu et Life-Ficette, quoi. Je me pose une question. On peut fuir? Non, même pas. Ah non, ça va être compliqué ce combat. Et je fais pas de dégâts. Attendez. Alors. Donc j'ai gardé puisque c'est bientôt fini. Ah, ça j'ai pas changé. Bon, c'est pas grave, un oplop, on s'en fout. J'ai pas d'anneau contre ça, punaise. Je vais mettre ça. Non, on va mettre ça. On va essayer. Bon ben je crois que cet épisode va être très long. Hein. Ok, je fais pas de dégâts. Alors il est vulnérable à l'eau. Ok, tac, tac, tac. Tac. Ok, tac, tac, tac. Ok. Et je sens que ça va pas marcher. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, j'étais un peu trop gourmand. Ouf.
Oula. Oula. J'ai été un peu trop gourmand, ça. Ça, c'est sûr. Oula. Attendez, il y a forcément un truc. Compétence, dégâts réduits de 45%. Ouais, c'est pour ça que je galère un peu pour Nick. Ah, pour se battre comme ça. Tu m'étonnes. Heureusement que j'ai esquivé. On va regarder un truc. Non, c'est pas ça que je fais moi. Objet. Non, j'aurai rien pour. Je crois que j'avais vu ça. Oula. T'es sérieux? Non, calme-toi. Ouf. Bon bah, ça progresse, hein. Non, 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 non. Ouf. Ah non, il l'a pris. Non, dégage avec ça. T'es sérieux? Je vais me soigner. Non mais t'es sérieux? Bon, on est à la moitié de sa vie. Ouf. Ouf.
Donc s'il y a des mobs comme ça, il me semble qu'on a un peu galéré, hein. Bon. Non, dégage. Non, dégage. Oh, punaise. Non, tu te calmes là. Oula. Megiru. Sauve-nous. Comme ça, je ressuscite. Oula. Non. Non.
Dégage avec ton canon là. Bon, dégage avec ça s'il te plaît. Ok. Non, tu te calmes, tu restes là où t'es. Mec, il est notre dernier espoir. Ah non. Ah oui, le nombre d'XP quand même. Distorsion d'âme. Ah, c'est quoi? C'est un brise-âme. Ouais, c'est un brise-âme. Alors, distorsion d'âme. S'active en maintenant RT avec 3 âmes ou plus pendant force statique. Rallonge la durée de douleur partagée et de force statique. Et pendant 3 secondes, empêche les ennemis vacillants de se remettre protégés. Protège tous les combattants des altérations, empêche les attaques ennemies de faire vaciller les alliés et empêche ces derniers de perdre des âmes. Ok. Notre expédition est rentrée. C'était quand même compliqué. On regarde un truc. Ok. Donc je pense que ça doit être le dernier brise-âme. Ouh, c'était pas facile là. Donc je pense que si on croise d'autres mobs comme ça, c'est pour qu'ils nous donnent des brise-âmes. Je suis où? Ah ouais. Oula. Bon, ça j'ai récupéré. Oula. Oh, mais vous allez me lâcher, oui. Oh, j'ai pas le choix. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié de remettre ça moi.
Voilà. On est quand même resté bloqué ici pendant pas mal de minutes dans cette partie avec l'autre mob. Et donc maintenant il faut que je prenne un autre. Non, ça c'est... Non. Quoique, ça pourrait être bien celui-là. Non, j'ai pas assez. Un personnage KO. Et je vais mettre celui-là. Oui. On Attendez. Ah mince, je crois que j'ai mis. J'ai mis le 10%. C'était ça. Attendez. Oui, bon. Voilà. Ok, il me faut la géoplanche. Maintenant, reste à savoir où aller. Bon, maintenant il ne nous reste plus que un seul orbe. Il nous reste l'orbe spirituel du crépuscule. Bon, il faudra trouver c'est lequel qui nous emmène. Où est-ce que je suis là cette fois-ci? Ah! Ah non, c'est loin. Il est loin là. Il est loin. Donc avant d'aller sur le cristal, on va regarder où est-ce que c'est. Où est-ce que ça mène plutôt. Ok, il y a deux coffres ici. Ah, il y a un accès pour l'orbe. Donc il faudra revenir de toute façon. Non, 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 non. Calmez-vous. Calmez-vous. Là aussi, calmez-vous. C'est assez dangereux. Bon, ah. On va essayer de récupérer le géo-arbre, hein. Mais juste avant, je vais voir où ça mène en fait celui-là. Ok. Celui-là il mène où? Ok. On revient en arrière. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ce sera pas plus mal pour quand on voudra sauvegarder. Je reprendrai les coffres un peu plus tard pour cela. Et je vais juste aller chercher le géoir. On est où en fait? On est toujours là où il faut quoi.
quoi ça? Hop, voilà. Donc on va en profiter. On va profiter qu'on a encore qu'on a la géoplanche pour aller chercher les deux coffres et l'orbe. Mais c'est vraiment un IA. Oh merde ce truc. C'est toujours les insectes qui traînent ici, c'est pas possible. Gelée de melon. Ah, lame purifiée, cette lame a été bénie 100 fois pour la rendre terrible contre eux. Et j'ai oublié de lire. Contre les morts vivants. Ah, donc c'est... Ah non, c'est pas plus puissant. C'est plus puissant en attaque d'art. Bon, on va la prendre au cas où. Donc, je vais chercher l'orbe. Oula, oula. Et j'aime pas leur trajectoire quand ils nous pourchassent. L'orbe spirituelle de la lune pâle, plutôt. Est-ce qu'on retourne là-bas? Je regarde juste un truc. On va quand même retourner en bas pour voir... pour voir où ça menait, en fait. Je pense même qu'on va retourner tout en bas à un moment. Puisqu'il faudrait que je refasse des emplettes, encore une fois, pour vraiment être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a tout au bout? Ah, il y a un coffre. Ah, je crache pas sur ce genre de coffre vu que c'est de l'équipement. Ceinture ornée d'une rose dorée permet d'utiliser un brise-âme sans dépenser d'âme. Ah mais ça c'est bien ça. Je le mettrai juste après. Je le mettrai juste après, c'est très très bien. Voilà. On va continuer quand même de grimper, hein, si vous le voulez bien. On va continuer de monter quand même. Maintenant qu'on a la géoplanche, on pourra revenir en arrière pour faire les autres lieux de l'anneau, en fait. L'anneau tellurique, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Ouais. Ok, par là je peux pas. Et c'est quoi ce trou là? On peut sauter. On va pas prendre de risques, hein. On va juste regarder. Ok, je pense qu'on est en train de monter en fait. Donc
Donc prochain épisode, je pense qu'on sera en haut. Et je vais regarder, il y a quoi en bas. Ah ben voilà. Ah ben celui qu'on cherchait. Orbe spirituel, arbre géant. On est redescendu où là? Ah, on n'est pas très loin, d'accord. Bon, on va faire deux derniers combats. Et en off, ce que je ferai, c'est que j'en profiterai pour faire... pour faire des emplettes. Ok. Bon, on va faire un combat assez dangereux quand même. Et donc au prochain épisode, on va retourner à l'anneau tellurique. Oula. On va retourner à l'anneau tellurique pour faire tout ce qu'on a à faire. Vu que maintenant on a la géoplanche, on peut aller un peu plus loin pour fouiller. What? Voilà. Non, 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 tu te calmes. Ou même juste après ce combat, on va faire des emplettes Amerikyo. Excusez-moi. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Voilà.
Ah, lui, il est plus endommagé. Voilà. Ouf. Ok. Donc, Velvet a level up, tenue du survivant. Ok. Ok, ok, ok. On va juste regarder où nous emmène en bar en fait. Je crois que quoi qu'il arrive, je continue de descendre en fait. Oh, fiole d'œuf inépuisable. Ok. Ah, il était là. Maintenant, on n'en a plus besoin pour en acheter. Ah ben, je reviens au point de sauvegarde. C'est pas plus mal. Donc, je ferai en œuf, je pense, les emplettes. Donc, j'espère que ce 90e épisode de Tales of Berseria vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et au prochain épisode, on se retrouvera à l'anneau tellurique pour voir si on n'a pas accès à d'autres orbes et aussi à d'autres monolithes. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix, je vous dis portez-vous bien et Janemina.